Salut tout le monde, c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour un petit mini-jeu en compagnie d'Oxylac, le Splague. Eh bien, salut les amis, c'est Oxy, ouais, le Splague, ça reprend un petit peu l'idée du TNT Run. Ouais. Alors le Splague, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, vous jouez un peu au fermier, puisque vous avez une pelle avec qui lance des œufs, et le but de ces œufs, c'est justement de casser les blocs de map pour faire tomber vos adversaires dans le néant. Et donc du coup, ben, ça va être assez fun, puisqu'il va falloir survivre. On a la pelle, et faut éviter de tomber. Ouais, faut éviter de tomber, c'est chaud. Moi c'est bon, je tiens, faut tenir, non. Oh là là, on est déjà à la dernière couche. Donc là, contrairement au TNT Run, vous avez qu'en fait, on va dire deux couches au total. Et ça tombe assez vite, puisque contrairement à la course... Ok, non, je suis tout seul encore en haut. Ah ouais? T'as tenu en haut? Ouais. Oh merde, oh fuck. Il y a des enculés qui m'ont tiré dessus du coup. On va faire tomber le mush. Recule pas comme ça, mush. Oh. Oui. Mais en fait, je vais pas te faire tomber. Oh non, je suis tombé tout en bas. Non. Allez. Non, je suis encore une secoue. Je suis encore dans la course. Alors, est-ce que je peux quand même... Ouais, je peux quand même regarder la partie. Oui, tu peux quand même la regarder. Alors attention, fais surtout pas clic droit parce que ça va t'aller dans ça va t'emmener dans le loop. Ouais, je sais. Mais du coup, je t'observe. Aïe. La technique du Splague est en moi. Regarde notre mush, elle est complètement fou. Il court, il saute par-dessus les trous, c'est un truc de fou. Il a fait tomber le bonhomme avec le pouce vert. Il est tombé. C'est vraiment un truc de malade. Regardez le mush avec ses grands yeux ébahis. Va-t-il faire tomber le bonhomme? Vas-y. Non. Ah, non. Il a fait tomber le bonhomme avec le t-shirt vert, décidément, les hommes verts, ils prennent cher avec le mush. Bah oui, évidemment, hein. Je suis un jardinier, j'aime pas les plantes vertes. Enfin, si j'aime les plantes vertes, j'aime plus les herbes. Alors, et le Mexicain, que va-t-il lui arriver? Va-t-il tomber par la pelle de mush? Ou par ses œufs? Par ses œufs, plutôt. Je suis une poule. Je vais me faire tomber tout seul. Attention, ouais, tu vas te faire tomber tout seul, là. Ouais, là, c'est chaud. Vous êtes plus que 3, 4, vous êtes 4. 4, 4. Vous comptez gagner 5. Splague. Vous êtes 5. Alors, vous je pense qu'on a 3 parties de Splague, hein. Mmh. Oui, il y a un Mexicain en moins. Yeah. Vous êtes 5 parce qu'il y en a un qui est encore à l'étage au-dessus. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh, putain, j'ai failli me faire tomber. Attention, mec, attention, c'est compliqué. Oh, il est tombé. C'est où le dernier? Le dernier, il est là-bas. Il est en haut, ouais. Mais il y en a un qui est toujours en haut aussi, qui est juste en train de sauter pour pas tomber. Est-ce que tu vas réussir à le faire tomber, l'autre? L'espèce de roi, là. Attention, va pas tomber, mec, va pas tomber. Non, t'es gaffe. Oh, me fait tirer dessus, par chaud, dessus. C'est vas-y, tire-lui dessus, l'autre, celui du dessus. Tire-lui dessus. C'est bon, il court. Il reste plus que les bords blancs, et il est tombé, il a failli tomber tout en bas, il a réussi à se rattraper. Vous n'êtes plus que deux d'ailleurs, t'as réussi à le faire tomber, le roi est tombé. Allez mush, il va gagner. Je peux le faire, je le veux, cette victoire, je la veux. Pour mes abonnés, oui. Oui, t'as gagné. Il est tombé. Plus 25 tokens. c'est cool. En tout cas, tu vois, t'es plus fort côté Enteron. Hein. Ah, effectivement, même plus fort que le Boss Splish, parce que le Boss Splish, c'est un mini-jeu qui m'a pas trop réussi. Ah bah du coup, regarde le restarting du SP38. Allez, le SP38, on va essayer de le rejoindre. Bah c'était le nôtre. Excusez-moi du spam clic droit, et voilà. Bah okay, du coup, c'est bon. Nickel, je parfait. Suis dedans. Parfait, on se retrouve dans le lobby. Sur cette map, contrairement au TNT Run du serveur de Hypixel, parce que là on se retrouve sur le serveur du hivemc.eu, donc ça c'était l'adresse IP du serveur. De toute façon, serveur vous avez plusieurs maps, donc d'ailleurs le spawn est d'ailleurs très joli, je trouve, hein. Ils l'ont un peu aménagé. Il y a plusieurs maps de Splague, donc SPLEGG, le mode de jeu, et elles sont, ma foi, très jolies, puisqu'il y a plein de styles de couleurs ou autres. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez sympa, parce qu'il y a une grande diversité des maps. J'espère qu'ils feront pareil pour... Enfin, davantage pour le TNT Run. Et si moi, personnellement, là, j'ai rajouté un peu d'anti-aliasing avec Optifine et le ciel et tout ça, tout est vachement beau, je trouve. Moi, j'ai un PC en carton, donc en fait, j'ai à peine le ciel qui est bleu, lol. Moi, je suis pressé, je change dans 2-3 semaines, les gars. Allez, attends, du nouveau PC pour se dire, on peut peut-être utiliser les chaleurs. Ah ouais.
Parce qu'effectivement, Minecraft avec Shader, c'est un peu comme tourner un Battlefield 4 en ultra, hein, effectivement. C'est un jeu qui est extrêmement bien optimisé. C'est ça, c'est ça. Alors, la map a changé. La map a changé. Ouais. Ok, donc moi je vais me mettre dans un coin là-bas. Ouais, pareil. Bah, moi je suis tout seul dans mon coin. Ah non. Oh mon dieu, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Se mettre derrière moi. Ah non. Il y a Garen qui est tombé, Non. Vous tomberez tous. Ah, mèche. Oh non, laisse-moi tranquille. Tu vas tomber. Non. Oui. Oh mon dieu. Moi je m'en fous, je reste en haut et puis je vais faire un mode caché. Tel un médicament. Non, mais non, vous faites mieux, c'est monter avec toi, on les aurait snipés. Non. Shut down. Ouah. Les gens, ils arrivent à sauter super haut, c'est quoi ce bordel? Ah là-bas, il y a un petit qui me tire dessus. Boum, j'ai failli tomber tout en bas. Oh, j'ai failli tomber. Ils t'ont fait descendre ou pas? Ouais, je suis en bas. Mais on se tire pas dessus comme ça, on fait une alliance. Peut-être qu'on arrivera. Là, il y a un petit. Là-bas aussi. Mais... Oh, tu vas tomber, espèce de petite bitch. Viens ici que je te. Le mec, il s'est suicidé. Oh my god, attends, regarde. Attention. Pourquoi? Ah bah oui, forcément. Oui. Non, j'en ai tué un. Et je suis mort juste après. Spawner. Alors, t'as encore dans la course, Oxy? Ouais, je suis encore... Je suis encore là. On me fera pas tomber comme le ça. Le mec, comme le Terminator, il est là. Enfin, j'arrive pas à faire le bruit, mais... Je vois ça. On est plus que deux, non? Oui, vous êtes plus que deux. Je suis en finale. Le final. Attends. Ah ouais, non, j'allais me dire, vas-y, tire là où je suis, mais effectivement, tu me vois pas. Cours, déplace-toi. Si ça approche de toi, genre, tu cours, t'arrêtes de tirer. Sinon, t'es mobile, en fait. Oh, il est tombé. Oh oui, j'ai gagné, on est trop fort, mage. 55 tokens. Ah non, j'ai 55 tokens au total. Oui, t'as gagné 25 tokens en plus, cette partie. 25. Bim. Oh yeah. Vas-y, voilà, rejoins la même. On va faire une dernière partie pour ce petit mini-jeu de Splague. Bon, cette fois, on va tous les deux en finale. Le 38 à nouveau. Je suis dedans. Ouais, je suis dedans. T'es dedans? Ouais. Cette fois, on va tous les deux en finale. Ouais. Bon, allez, on se fait une petite ellipse, je pense. Pour attendre la partie, parce qu'il y a quand même 290 secondes à attendre. 290 secondes? Non, 60 maintenant. 60? Oh, on va attendre. On va planter des carottes. Motherfucker. Wesh, on a un petit piggy. Des carottes, ouais. On va élever un piggy. Ouais. On va se refaire un mini Harlem Shake comme dans notre zone 52. Harlem Shake. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé cette petite intro. Si vous l'avez pas encore vu, on vous invite à aller voir évidemment la vidéo des deux points de vue pour voir les deux différentes intros. Évidemment, tout l'épisode qui va avec, si possible. Mais bon, du moins l'intro, parce que d'ailleurs, Oxy et moi, on a peut-être pensé à se lancer dans une sorte de série scénarisée. Voilà, de série scénarisée avec des fois des petits épisodes comme ça qui pourraient durer, on va dire, 30 secondes, minutes, des épisodes toujours dans l'esprit comique, hein, dans l'esprit de nos chaînes YouTube, évidemment, en espérant que ça vous plaira. Et donc, c'est vrai que c'est des projets qui consomment énormément, puisque vous, en fait, l'épisode Zone 52 prend moins de temps à être réalisé que l'intro elle-même, pour vous imaginer. Ouais. Bah, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le dernier épisode de Zone 52, il nous a fallu... Bah allez, 40 minutes pour tourner la vidéo en elle-même, mais l'intro, il nous a fallu 2h30. Ouais, 2h le temps d'imaginer le scénario et de réaliser, et puis après surtout, on compte pas le montage qui va avec. Tombe de là, Oxy. Tombe. Toi aussi, t'es... Oh, j'ai failli tomber tout en bas. J'ai failli. J'étais sur le bord du bloc, quoi. Oh mon dieu, quoi. J'étais... Mais... Attends, là, je vais creuser dans le truc, là. Oh, là-bas, y'a un Mexicain qui est immobile. Mexicano! Oh, y'a des TNT! Tombe! Oh non, je suis tombé! Et tombe! Oh! Oui! Allez! J'ai survécu, mais à rien! Y'a un mec qui est passé derrière moi. D'ailleurs, y'a Link qui est en train de camper au deuxième étage. Au deuxième? Ouais, juste au-dessus de ta tête, en fait.
Attends, il y en a un là juste à ma droite. Ah. Et tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Non, je l'ai pas eu. Attends, il est du pink. Il est là au-dessus, c'est ça? Ouais. Ah bah il y en a même un autre, il y a un mec en culotte. Ah, Link est tombé. Il reste plus que le mec en culotte. Ah mais il y a même Deadmo. Oh. Alors lequel va tomber? Putain de merde. Oh mèche, c'est chaud. Ah il y en a un autre qui est tombé, il y en a un autre. Ah bah il est tombé. Il y en a un autre qui est tombé aussi. Mm-hmm. Attends. Il reste plus que Deadmo et le mec en culotte en haut. Je vois ça. Ils sont en train de camper, ils sont en train de camper. Oh my god, il me tire dessus. Ouais. Il y a eu une petite éruption de ma sœur dans ma chambre. Oh non, mèche. Non. Ah mais en fait, il y avait un mec derrière toi aussi, j'avais pas vu. Ouais, il y en avait un au sous-sol, mais en fait, les deux en haut, je crois qu'ils sont ensemble. Tu vois, parce qu'ils se tirent pas dessus. Bah ouais, ils se tirent pas dessus. Skrillex Junior et Messi Junior. Ah, effectivement, je pense bien qu'ils sont ensemble. Ouais, je pense aussi, ils ont le même nom. On aurait dû faire pareil, tu vois. Ouais. Mais moi je suis tombé et franchement j'ai failli. Mais on est tombé tous les deux en même temps et en face tous les deux sur le bord du cube avant d'être. Ah ouais, non, mais. Oh, ça aurait été tellement bête, enfin voilà. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va pas regarder la finale non plus parce que bon. Oh, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Donc j'espère écouter que ce petit mini-jeu, ce nouveau mini-jeu que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube en compagnie d'Oxylac, donc le Splague, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Oxylac.